Et salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la ville moderne. Comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va super bien. Donc nous voilà sur notre ville saison 2. Alors certains vont voir que ça a pu avancer, enfin même tout le monde va pouvoir le voir. Certains vont commencer à s'énerver parce que ils vont dire que j'ai fait encore du off. Alors juste deux petites secondes, on va remettre le jour. Alors je vous explique, en fait je suis obligé de faire du off, clairement. C'est une ville entière. Je peux pas me permettre de tourner une vidéo à chaque fois que je fais un bout de route ou un bout de mur. Donc voilà. Mais bon, vous voyez, j'ai fait quand même pas énormément de choses. J'ai fait un bout de route ici, j'ai fait le parking du McDo qui est quand même plus grand que celui de l'année dernière. Un petit mur autour avec des arbres et puis une petite haie ici tranquillement. Voilà. Ici, c'est les places handicapées pour ceux qui se demandent ce que c'est. Et donc notre route, je l'ai fait quand même beaucoup plus large que la saison 1. Je l'ai fait de 4 de large, donc 5 avec l'escalier, parce que ça c'est la rigole d'eau le long du trottoir. Et j'ai fait un trottoir aussi beaucoup plus large qui fait 5. Voilà, avec un petit banc ici, une boîte aux lettres, enfin voilà. Et enfin, on a un nouveau design de lampadaire qui est très inspiré du serveur Holycraft, donc ceux qui le connaissent. Je l'ai quand même retouché, hein, parce que j'aime pas avoir les mêmes choses que les autres. Puis ça fait un peu du plagiat. Du coup, je l'ai retouché un peu à ma façon, mais voilà, la forme est à peu près dans le même style. Alors déjà, un très très gros merci, parce que la vidéo de l'épisode 1 a fait 700 vues et 100 likes en même pas 24 heures, en je sais pas moi, 7 heures, 8 heures je crois. Donc c'est énorme, j'ai jamais fait ça du tout sur aucune de mes vidéos. Donc franchement, je vous en remercie beaucoup et j'espère que ça va continuer et que ça va continuer aussi à vous plaire. Une autre chose, je vous rappelle que je ne fais pas de live et que ça devient pour moi YouTube de plus en plus compliqué. Je fais pas ça pour mendier de l'argent, mais si vous voulez, vous pouvez soutenir les vidéos dans la description en faisant un petit don que vous pouvez payer avec PayPal si vous n'avez pas de carte bancaire. Vous allez dans la description de la vidéo, vous avez le lien et vous avez des choses à gagner en fonction de la somme que vous faites. Si vous typez 5€, vous avez le droit d'avoir votre nom sur le bâtiment que vous souhaitez dans la ville moderne. Bon là pour l'occasion ce sera que le McDo parce qu'il n'y a que ça de fait pour l'instant. Mais je vous dis ça pour les jours à venir. Donc voilà, donc merci vraiment du fond du cœur s'il y a des gens qui font un petit soutien. Parce que pour moi YouTube ça devient compliqué parce que j'achète du matériel. Là j'ai changé ma carte graphique donc j'en ai eu encore pour 230€. Donc voilà. Donc merci à ceux qui le font. Ensuite, Schematica. Alors beaucoup de choses à vous dire cet épisode. Chez Schematica, vous êtes un peu tous battus dans les commentaires. J'ai eu en fait moitié oui, moitié non. Du coup, ça fait que je sais pas vraiment comment faire. Pour l'aménagement, je suis obligé de le prendre. Je vous le dis clairement. Vous voyez l'intérieur, comme il est détaillé. Je suis obligé de l'avoir, sinon je ne peux pas du tout refaire l'intérieur du McDo. Mais pour les constructions de maisons à venir, si c'est pas trop compliqué, je vais essayer de le faire sans. Voilà. Donc pour les décos, on fera avec et les constructions, on va essayer de faire sans. Comme ça, on va satisfaire à peu près tout le monde. Du coup, c'est parti. On va prendre des dalles. Je tiens aussi à dire que le McDo, la déco, je vais peut-être un peu moins bien l'expliquer que le McDo lui-même, mais tant pis. Hein, voilà, c'est de la déco, hein, donc je vais essayer de vous expliquer quelques deux ou trois trucs, mais je vais pas aussi bien vous expliquer que le McDo. Ouais. Alors on va commencer en mettant une ligne de 4 dalles sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On referme ce carré. Ce carré qu'on va remplir de dalles. Comme ceci. Hop. Voilà. Moi perso j'aime bien Schematica parce que vous voyez, si vous mettez faites une erreur de bloc, ça vous le surligne et voilà. Moi je préfère. Ensuite, on va prendre c'est des dalles ou des planches. On va voir ça tout de suite. C'est des dalles, je crois. Dalles en bois de sapin. Oui, c'est ça. Ensuite, c'est très simple. On va monter en dalles en bois de sapin sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 blocs et on va faire un carré ensuite en repartant sur 1 en comptant celle-ci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est 11. Oui, 11 blocs, 12 blocs, 13, 14, 15 et 16, on va dire, parce qu'ici il y a le mur donc on va en mettre une ici pour faire comme si
Comme s'il n'y avait pas le mur, imaginez qu'il y a une dalle ici, du coup ça fait 16 de long. Et ensuite on repart tout droit. Donc ce que je vais faire les amis, c'est je vais mettre ce plancher en off, ce carré, et on se retrouve tout de suite. Ok, re tout le monde, donc voilà, le sol est maintenant mis. Donc maintenant on va mettre nos murs avec les trappes. Donc tout simplement, alors de ce côté, ici on va laisser une entrée de 2. On va mettre des trappes au sol comme ceci. Alors sur 1, 2, 3, 4 de haut. Alors je vais faire le premier mur avec vous pour la démonstration. Hop, on enlève les deux dernières parce qu'elles vont pas là. Tac, voilà. On ferme tout ça et vous voyez, ça nous fait un petit mur. Sur 4 de haut, ensuite, bah, on les met ici. Alors là, ça va être assez compliqué. Hop, voilà. On va en rajouter une ici pour faire... Hop, si j'y arrive, voilà. Pour faire une petite séparation... Alors ça va être assez pénible à mettre, c'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher. Là, voilà. Vous voyez, pour faire une petite séparation au-dessus comme ça. On va mettre des dalles, bah, en fait, encore sur ce bloc-là. Ici, on va laisser un d'espace, on va rajouter une trappe. Voilà. Encore une trappe, et ensuite on va faire l'angle. Dans ce coup-ci, on va se mettre de l'autre côté. Et on va repartir sur 3. Vous voyez, comme ceci. Ici, vous devez avoir deux blocs ici. Et une trappe ici. Vous voyez, ici, ça vous fait une trappe. Et là, 2. C'est pour ça que ça fait du coup une longueur de 3. Ensuite, on saute deux blocs. On remet deux trappes. On saute deux blocs, on remet une trappe. On saute deux blocs, on remet deux trappes. Et moi, je vais monter ça jusqu'en haut. Et puis, on se retrouve pour continuer la suite. Ok, re tout le monde, donc voilà, travail terminé. Donc j'ai enlevé Schematica, certains vont te soulager, vont dire ah ouf, enfin. Du coup, on va prendre de l'argile et on va venir se faire un petit mur. Donc on va mettre 3 blocs ici, qu'on va monter. Est-ce qu'on le monte jusqu'en haut? Oui, jusqu'en haut, 3 blocs ici qu'on monte jusqu'en haut. Ici on se fait un petit angle, qu'on monte jusqu'en haut aussi. Tac. Là on va laisser 2 blocs pour un escalier. Et là on va venir mettre des trappes. Ouais, c'était pas ça le deal. Voilà, comme ça. Pour faire une petite barrière en bois. Tac, parfait. Et ici on va se mettre une petite couche d'argile. Pour faire un décor un peu plus sympa. Ici on va laisser seulement 2 de haut. Parce qu'on aura les portes qui iront aux cuisines. Les cuisines, tout ça je ferai tout seul. Je tiens à le dire, voilà. Sinon la vidéo, là, ce coup-ci, va vraiment durer 10 plombes. Ici, on va mettre une hauteur à partir du plancher, ça sera notre barre. Enfin, là où on est servi. Là, on va mettre, pareil, une hauteur qu'on va refermer comme ceci. Tac. Maintenant, on va prendre des barrières. C'est une barrière noire, il me semble, qu'on va mettre ici pour faire un peu de déco. Du coup, je sais plus si c'est une barrière noire ou pas, mais c'est pas grave, hein, ça fait le même effet. Ici j'ai oublié la dalle, la plaque. Je vais pas m'y faire, c'est pas une dalle, c'est des plaques. Ici on va mettre une barrière. Est-ce que ça passe sur une dalle? Oui, ça passe. Avec un peu de végétation. Voilà, comme ceci. On va remettre le beau temps par la même occasion. Tac, nickel. Ensuite on va prendre des end rods. On va prendre des trappes en fer, ceux qui n'en ont pas, vous pouvez prendre des tapis. Des escaliers en bois noir, ouais, faut que ça ressorte quand même un minimum. Et on va se mettre des petites tables. Escalier, end rod, tac, escalier. Et ici, on va faire pareil. Ouais, on va pas laisser coller, c'est pas beau. Tac. On va faire une table de 2 ici. Sauter une table de 1. Et re une table de 2. Voilà, du coup ce sera peut-être pas exactement comme ce que j'ai fait sur le McDo de l'autre côté, enfin en créatif, mais c'est pas grave. Tac. Une table de 1. Bon, elle sera un peu dans le passage, mais on s'en fout. C'est ce qui compte, c'est qu'on soit bien. Là du coup on va se mettre une série de tables de 1. Tac. 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 Tac.
Là, on va pas en mettre. On va mettre des end-rod correctement, par contre. Voilà. Et des petites trappes dessus pour se faire les petites tables de McDo. Hop. 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 Vous faites partout pareil, hein. C'est pas bien compliqué. Voilà, parfait. J'ai rien oublié. C'est ce que j'ai oublié. On va prendre des lanternes. C'est l'éclairage. Des vitres blanches. Et on va se coller ça un peu partout en mettant des cadres comme ça. Enfin, des cadres. En faisant un carré autour de la lanterne pour que ça fasse un peu d'éclairage moderne au plafond. Tac, comme ceci. On va en mettre une par ici. Ouais, alors là, ça fait une connexion. On va éviter. Hop. Voilà, parfait. On va en mettre une autre petite ici. Qu'on ait quand même de la lumière dans le McDo, ce serait un peu plus sympa. On va en mettre une ici. Voilà. Et on va en mettre une ici. Hop. Voilà, parfait. Bon les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le mur déjà. Alors pas ça. On va déjà faire un mur ici. Je vais aménager un peu ici en bas et on se quittera là pour cette vidéo. Allez, à tout de suite. Ok, re tout le monde. Donc voilà, travail terminé. Alors au plafond ici, j'ai mis des trappes. Tout simplement parce que vous savez, on a le carré d'herbe qui est sur le toit. Donc on peut le cacher avec des trappes. Ici, j'ai refait un bout de mur avec une petite télé. Quelques boutons et des trappes ici pour faire une petite épaisseur. Oh, il fait bien noir. Alors attendez, je suis en train de me rendre compte de quelque chose. Non, je suis en vive. Luminosité vive. Voilà, ça va mieux. Alors maintenant, on va faire des canapes. Alors juste avant, oui, ici, je me suis trompé. Les trappes vont ici. Comme ça, vous voyez, ça vous permet de cacher le dessous. Donc je suis désolé. Mais il va falloir tout simplement qu'on les remette. Tac. Tac. En fait, on va tout ouvrir. Hop. Et ensuite, on ferme tout. Et là, bien sûr, je les ai mal mises. Mettez-vous bien en face de vos trappes quand vous les mettez, sinon ça les met sur le côté. Voilà, nickel. Ensuite, on se fait des petits canapes de 2 ou de 1. On met des trappes en fer au fond, ça fait des petits sièges. Ici, on va s'en mettre un tout seul. Voilà, c'est un petit lieu de détente. J'aime bien faire ça dans les petits McDo, les restaurants. Et il pleut encore, c'est incroyable ça. Et voilà, on a un petit coin tranquille. Ici, on peut se mettre, peut-être pas une autre télé, mais un autre tableau. Voilà, comme ça, par exemple, ça fait un peu moins vide. Ici, on va se mettre des trappes pour cacher ça. Et voilà, on a un McDo qui est assez sympa, bien aménagé. Le bar, on va le faire rapidos ensemble. Il n'y a que les cuisines que je vais faire tout seul, les amis. Hein. On a l'ordi qui va nous servir. Et normalement, dans le pack, on a une caisse enregistreuse. Enfin, c'est même pas normal, oui, elle est là. C'est même pas normalement, c'est qu'on en a une. On va se mettre le petit ordi ici qui a été modélisé en 3D. Et la caisse enregistreuse. Ah oui, c'est vrai qu'elle c'est une enclume. Donc, il faut la mettre de l'autre côté. Voilà, comme ça, nickel. Voilà les amis, on a notre McDo. On va juste rajouter... Vous savez que j'aime la végétation. Pas de connexion de texture. Bah voilà, on a un joli petit McDo bien aménagé. Bon bah les amis, sous cette pluie battante, on va se quitter là. J'espère que cet épisode déco vous aura plu. Il est moins complet que le McDo en lui-même, hein, désolé. Mais j'ai pas envie non plus de faire toute la déco avec vous, surtout que ça prend beaucoup de temps. Et donc voilà. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire. Comme d'habitude, ça me fera super plaisir. Je vous laisse et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.